Avec nous sur Chinemen, Elie Drissi, coordinatrice de l'événement Sunset Beach Festival. Donc cet événement est unique en son genre. Il y a une nouveauté, une touche qui n'a pas été faite en Tunisie. Vous pouvez nous en parler un peu plus de ce qu'apporte le Sunset Beach pour la Tunisie. D'accord. Le concept de Sunset Beach, c'est une avant-première pour les gens de découvrir Sunrising, Deep Side DJs, Phonic, Fushou Wehat. Alors, c'est la première fois à Itlam ou le Colomb. Et surtout, on a Sunrising, il y a un tournage, une terre en Fitounes. Alors, c'est bien. Puis, comme le rôle de tournage, une terre en Fushou. Il y a Barcha, c'est vraiment un rôle d'officier, événement inoubliable. Mal, Miss Bikini, alors, je crois que j'ai jamais dit là, il y a un style, ok, là je vous dis. Show est unique en son genre, il y aura des internationaux, il y aura un tournage de clip, c'est une beach party géante. Donc, quel est l'apport de Sunset Beach à l'événementiel tunisien? Sunset Beach, le matériel qui est un peu jamais utilisé dans les beach parties, les écrans LED, les lumières sonores, c'est une chose de l'autre. Alors, les gens qui sont dans le show, puis tu fais un choix de le son, c'est une chose de l'autre. Sinon, on a dit comme Bacha Musique, Bacha Jao, moi j'ai une chose de Sunset Beach. Merci beaucoup, Elie. Donc, on invite tout le monde à venir demain au Sunset Beach Festival. C'est une expérience à ne pas rater. Et bon courage pour tous les organisateurs de Sunset Beach. Merci, merci Mourad, merci Chinemen. Tu m'as dit maman, hein, les événements, le col, tu connais Hadrin alors. Spécial coucou Chinemen ou Slimane, libérer la caméra.